À quoi ressemblent les vibrations d'une étoile comme le Soleil? Voici la courbe de lumière d'une étoile avec des vibrations de type solaire. Sont représentées les variations relatives du nombre de photons en fonction du temps d'observation exprimé en jours. Cette étoile a été observée par Corot pendant environ 150 jours au début de sa mission. Nous allons voir maintenant comment analyser ce signal avec comme objectif d'estimer la masse des étoiles. Nous avons vu précédemment, dans le cas d'une vibration, que le signal correspondait à une sinusoïde. Voici un signal simulé qui représente une sinusoïde de période 500 secondes et d'amplitude 1 ppm, correspondant à une variation d'un photon pour un million. Une période correspond à l'intervalle de temps au bout duquel un signal se répète à l'identique. Et je rappelle qu'une fréquence est l'inverse d'une période. L'unité d'une période est la seconde. Pour la fréquence, c'est le hertz. Pour trouver des indicateurs de la masse d'une étoile à partir des vibrations, nous avons besoin de connaître les périodes ou fréquences de vibration. Nous utilisons un outil très efficace pour l'analyse de signaux périodiques, qui est l'analyse de Fourier. Joseph Fourier était un mathématicien français qui s'est intéressé, entre autres, à l'étude mathématique des phénomènes périodiques. L'analyse de Fourier est un outil puissant que l'on étudie en licence scientifique. Si j'applique cet outil à cette sinusoïde simulée, j'obtiens ce spectre de fréquence. Un pic très étroit à la fréquence de la sinusoïde et avec comme hauteur l'amplitude de la sinusoïde. Dans le cas d'une seule vibration, on voit ici qu'il est aussi facile d'estimer la période de vibration à partir du signal lui-même que de son spectre obtenu par transformation de Fourier. Nous allons voir maintenant que ce n'est plus le cas lorsqu'il y a plus d'une vibration. Nous voici maintenant dans le cas de trois vibrations. Le signal simulé correspond à la somme de trois sinusoïdes. Il est représenté dans la figure du bas à gauche. Il n'est maintenant plus possible de déterminer la période de chacune des trois vibrations à partir de cette figure. Si l'on applique l'analyse de Fourier à ce signal, on obtient le spectre de fréquence suivant. C'est la figure en bas à droite. On voit apparaître clairement trois pics distincts à trois fréquences différentes. Ces trois fréquences sont reliées aux périodes des trois sinusoïdes. Voyons maintenant à quoi ressemble le spectre de fréquence de différents instruments de musique. Voici le spectre de fréquence d'un diapason. Un diapason émet une note de musique correspondant en La à une fréquence de 440 Hz. Dans le spectre de fréquence, on voit clairement un pic à 440 Hz. Écoutons le son de ce diapason. Voyons maintenant un instrument de musique qui émet un son un peu plus complexe que celui du diapason. Voici le spectre de fréquence d'une guitare avec une série de pics. Écoutons cette guitare. On comprend l'intérêt de coder la musique par des notes, c'est-à-dire des fréquences, plutôt que par les variations rapides et complexes du son. Voici pour terminer cette comparaison avec les instruments de musique, le son d'une cymbale qui montre un spectre en fréquences très riche qui nous donne une idée de la complexité du spectre de vibration d'une étoile. Chaque pic correspond à une note de musique. Voyons maintenant à quoi ressemble le spectre de fréquence du Soleil correspondant aux vibrations de notre étoile. Ce spectre a été construit à partir de données spectroscopiques obtenues par l'instrument GOLF à bord du télescope spatial SOHO. 690 jours de données ont été utilisés. On voit un spectre très riche, des millions de fréquences de vibrations sont présentes autour de 3000 Hz. Une fréquence de 3000 Hz correspond à une période de 5 minutes.
Nous allons voir maintenant quelle est l'origine de ces vibrations et pourquoi on les observe dans d'autres étoiles que le Soleil. Nous voyons sur ce film en noir et blanc une petite région de la surface du Soleil. La surface du Soleil est animée de mouvements aléatoires liés au transport de la chaleur par convection. C'est le phénomène de granulation solaire. Ce sont ces mouvements qui perturbent l'état d'équilibre de notre Soleil et le font vibrer. Pour d'autres étoiles que le Soleil, il y a aussi ce phénomène de granulation à leur surface. C'est pour cela que l'on peut y détecter des vibrations de type solaire. Je vais maintenant vous faire écouter la musique du Soleil générée par ces mouvements de surface. Les fréquences de vibration du Soleil n'appartiennent pas au domaine de fréquences audibles par l'oreille humaine. De plus, entre nous et le Soleil, il y a 150 millions de kilomètres de vide interplanétaire. Le son n'a pas de support pour se propager. On ne peut donc pas écouter directement les vibrations du Soleil. Pour obtenir ce son que l'on vient d'écouter, on a mesuré précisément, par analyse de Fourier, les différentes fréquences qui correspondent chacune à une note de musique. Et on les a ensuite décalées en fréquence pour qu'un être humain puisse les entendre. Nous allons écouter maintenant les vibrations de trois étoiles observées par Corot. Ces trois étoiles ont des propriétés très proches. Elles ont par exemple à peu près la même taille. Il est donc difficile de les différencier à l'oreille. Sont représentés ici leurs spectres de fréquence. Des vibrations de type solaire ont aussi été détectées dans le cas d'étoiles géantes rouges. Le stade de géante rouge correspond au stade évolutif futur de notre Soleil. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil va grossir et se refroidir pour devenir une géante rouge. Les vibrations de ces étoiles, beaucoup plus grosses que le Soleil, correspondent à des sons plus graves, comme vous allez l'entendre maintenant. Voici le son de 4 étoiles géantes rouges qui ont été observées par le télescope spatial américain Kepler pendant les 10 premiers mois suivant sa mise en service. Une fois encore, les fréquences ont été décalées pour être dans la zone audible par l'oreille humaine.